Voilà, donc on est parti pour notre dernière game de BO pour essayer de repasser les deux. On est en live, on joue Akali. Pour tout ce qui est sur YouTube, vous n'êtes donc pas en live, on est bien d'accord. Mais on va du coup tester ça. Je suis contre un Nautilus, j'avoue que je ne sais pas trop sur quoi me diriger. Je vais partir sur une capsuleur comme d'habitude en first item. Et je vais prendre... putain mec, je sais pas quoi prendre mec. Parce qu'à potion de combustion, je perds les stats de mana. Car en gros, je n'ai pas la mana toutes les 12 secondes, etc. Mais c'est pas grave, je vais prendre ça. Comme ça me permettra d'avoir un peu plus de sustain. Même si je perds la statistique de régène de mana, c'est pas si grave. Je suis contre un autre Nautilus qui logiquement est meilleur que moi en phase de lane. Mais en phase de fight et surtout sur les phases de gank, je devrais pouvoir le tenir. Donc on va tester ça ensemble et on va voir comment ça va se dérouler. Donc je suis avec une Nidalee, une Diana, Braum plus Lucian botlane. Par contre j'aime beaucoup notre botlane. De leur côté ils ont beaucoup de dégâts aussi, regardez un peu. Graves, Corki, Nautilus, Ezreal et Janna. Ouais, mais c'est quand même assez chiant à sauter dedans. Surtout que si je saute dedans et que la Janna me repousse, je vais devoir utiliser une autre stack. Ça fera que j'en ai utilisé deux. Et si elle me repousse avec sa tornade, bah... enfin si elle me remet un petit A, et bah du coup je suis bump et je suis hors de portée. Je dois utiliser mon troisième A. Et ça peut être un petit souci. Donc je vais tester du coup mon petit build Akali Tank. Donc c'est un build qui vient de Corée, que vous avez pu voir sur les vidéos de Skyheart ou le stream d'Aldariat. Et du coup on va tester ça ensemble. First item cap solaire, deuxième item Hydro Titanesque. Et ensuite vous partez sur gage de Sterak, Riley plus être abyssal ou ce genre de build. Et vous êtes vraiment super bien. Donc du coup on va tenter de faire ça ensemble. Donc j'aurais pu partir sur un cristal de vie et de popo. J'aurais pu partir sur ça. C'est vrai que cristal de vie de popo, ça aurait été mille fois mieux. Ah merde. Parce que c'est vrai que le sustain sur ce perso, c'est pas vraiment la chose que l'on recherche le plus. Oh bien joué ça. Oh là là, il est propre. Je vais mettre une auto-attaque de plus et je vais me tirer. Voilà, comme ça je lui laisse. Il a son level 2, il est tranquille. Et moi je retourne au top. Donc eux ils ont pris ça, c'est parfait. Ils vont prendre le camp. Il faut que je mette des auto-attaques pour essayer de charger ma petite poigne de l'immortel. Mettre un petit spell pour mettre une pression. C'est beau quand même hein. Ouais, il fait le beau quand même. Hein. Parce que double auto-attaque, mon pote. Enfin, double marque au niveau 1. Tu vas beau être en au-dessus, tu vas beau être archi tanky. Au bout d'un moment, tu peux te faire punir très vite. Hein. Donc, on commence pas à faire trop le beau. Voilà. Donc, j'utilise en plus ça ma poigne de l'immortel. Mec, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais c'est un animal, hein. Car après, le problème, c'est quand il va être level 2. Car au level 2, c'est pas du tout le même trade. Hein, on est bien d'accord. Car il a son shield, etc. Et ça va être un petit peu plus chiant. Donc, voilà, il va l'activer, j'imagine. Voilà, je mets juste un A. Il va push la wave, donc normal. Attention quand même, attends. Tu gagnes pas les traits comme ça. Hein. J'ai choke. J'ai pris beaucoup de dégâts de la part des creeps là. Faut que je fasse gaffe quand même. Parce que bon, mine de rien, les répliques à force, ça fait mal. Faut pas que je prenne ça. Voilà, c'est bon. Oh putain, casse les couilles. Et ma flash in là vraiment. Ah ouais. Attends, le deuxième, nice. Nice! Ça va! Ça, je m'en sors. Mais je perds beaucoup de farm, donc ça va être chiant. Je vais prendre ça. Je vais prendre des bots. Je perds pas mal de farm. Mais ça va, on s'en sort bien. On arrive à prendre un trade sur un flash in du Graves. C'est ok. No flash Graves. Oh fuck. Voilà, je vais être mon Z du coup là et ce sera bon. Level 2 goal flash in, mais j'aurais pu le mettre un peu plus de pression, mais le problème c'est qu'il y a eu le Graves en fait. Et surtout le fait qu'il ait level up avant moi m'a fait un petit peu m'a posé un peu de soucis. Et ça c'est un problème. Donc je suis parti sur un peu d'armure, même si pour le coup l'armure n'est pas ouf. Ce sera toujours bien contre leur composition d'avoir une cape solaire, sachant qu'ils ont quand même un petit Graves, Corki plus Ezreal, même si Corki deal majoritairement des dégâts magiques. Ça reste quand même assez intéressant d'avoir de la RM contre lui. Ok. Donc faut maxer le E aussi hein, sur ce champion. Donc il faut faire attention. Et ce sera bon. Il a même pas besoin d'aller sous tour ce combat. Non, il a pas besoin d'aller sous tour parce que Graves me tuait. Bon, c'était pas ouf. Par contre, il a déjà un Négatron. Ah. Eh. Ah ouais. Négatron, putain. Putain, il a sa réplique tout le temps. C'est ça qui est chiant. Ok, ils ont réussi à tuer le Graves, c'est parfait. N'empêche, ça manque hein, à l'époque où le E faisait proc la marque, là, c'était tellement OP. Ok, donc ça va, il a pas son shield. J'ai utilisé une potion quand même. Mais même temps, malgré sa petite, son petit Négatron, il a assez squishy. Hein. Donc faut que je fasse attention quand même. Donc j'ai mes bots, moi, mais ça peut ne pas être suffisant.
Il va mettre ses répliques soon. En gros, il faut que j'arrive à éviter ses répliques pour essayer d'aller trade ensuite. Mais le problème, c'est que ça va pas être si simple que ça. Voilà, il a mis son Z. C'est parfait. Donc, comme pouvoir, je lui fais genre 0 dégâts avec moi. Mais l'avantage du E, c'est que ça fait des dégâts physiques. Et ouais, et ça, c'est fort. Donc, il est parti sur beaucoup de dégâts magiques. Mais vu que j'ai maxé le sort qui fait des dégâts physiques. Ah merde, par contre, ça va. Ça va, il me touche pas avec son A. Putain, mec, c'est trop chiant Nautilus, hein. Après, il a plus trop de mana, donc ça va. Mais il full push la lane. Et comme vous pouvez voir, bah, je peux pas vraiment faire grand chose. Donc, est-ce que au farm, je suis mieux? Je suis un peu devant au niveau du farm, donc c'est pas mal. Au niveau de la mid lane, la Diana a réussi à prendre un kill malgré un gank du Graves, donc c'est parfait. Il va mettre une réplique là au milieu. Pour push, voilà, classique. On le sait. Il va mettre une auto-attaque sur le creep. J'en profite moi pour mettre la mienne. Oh, il a pas mis. Oh merde. Faut que je fasse attention. Non, il m'a mis cher quand même. Hein. Mine de rien là, l'ami Nautilus. Il m'a mis super cher. Il va mettre les répliques pour push. Tu vois, je peux pas trop m'approcher. Ça, c'est un problème. Ah, j'ai raté le gros. Does it goes on Reddit? De quoi il me parle? J'ai pas compris. Parce que j'ai pas vu son move en fait. Donc du coup il est en mode peut-être que le move va sur Reddit si jamais ça a été record. J'imagine que ça doit être ça, mais ça a pas été record. Donc c'est pas ouf. Donc, je vais full push. Oh merde, putain j'ai tellement pas de dégâts. Après pour le coup, pour un champion qui est genre... Avec un seul sort level 3 qui push comme ça, on va dire que ça reste quand même totalement ok, tu vois. On va dire que c'est pas mal. Donc je vais prendre du coup moi mes cendres de Brami. Voilà, les petites cendres de Mami. Et du coup ce sera bon. Donc maintenant là je commence à être un peu plus tanky. Je vais avoir les PV nécessaires pour réussir à prendre des trades. Mais le problème c'est que c'est un Nautilus. Et Nautilus, mine de rien, bah c'est chiant à gérer. Il est là, il a pris quoi lui? Il a pris encore un... Oh ah ouais, il a encore pris un manteau. Ah ouais, il est chiant. Par contre, notre millénaire est en train de solo carisser le game, c'est beau. Cendre de Mami, Hydro Titanis, qui a-tu fini la Sunfire? Très bien. Bon, on m'a dit de finir la Sunfire avant. Yeah. Note. Ok, c'est mon Nautilus, c'est pas venu, c'est parfait. Voilà, un petit E qui a été mis pour prendre le farm. Oh merde, mon R est plan en smart cast, c'est vrai. Ouais, faut que je flash out. Je suis mort. Non, ça va, je suis mort. Putain, c'est vrai que Graves dans les trades, c'est assez chiant. Hein. J'ai le temps de back. Ouais, j'ai le temps de back. Ça sert à rien pour moi de tenter quoi que ce soit. J'ai fini ma capsule avant. Je vais TP. Donc c'est un petit peu dommage pour l'Anda, j'ai pas pu burst le Nautilus parce que mon Nautilus, mine de rien, bah ça tank, hein. Et du coup j'ai pas pu faire grand chose là. Ok, faut que je push ma wave. Et là on vient de prendre un 2VD qui était très mauvais. Contre un AD tu Sunfire first mais pas là. C'est vrai que là c'est un AP. Après il y a quand même le Graves qui peut venir me faire chier dans les ganks. Mais c'est vrai que là c'est pas vraiment dans l'optique de la lane tu vois. Ok c'est pas mal. Oh ils se sont fait défoncer la gueule. J'ai plus ma TP en plus. Seulement j'ai eu ma TP, j'aurais peut-être pu leur mettre une petite pression supplémentaire. On va essayer plus de mettre de la pression sur la middle lane. Le Graves a décalé. Est-ce qu'il va faire ses... Ah, il est parti jungle bot. Non, je vais attendre là. Je vais attendre là. Après, est-ce que je peux vraiment l'avoir? Ça me semble assez chaud. Hein. Oh merde. Putain, il a raté. On l'a pas eu? On l'a pas eu? Ça, je crois un peu plus vite. Oh putain, on l'a pas eu! Oh non, that was very unlucky! Par contre, recul, c'est chaud. Ah, j'ai pris l'aggro pendant très longtemps, mais c'était pas suffisant. Donc là, ils vont pouvoir prendre le héros de la faille. J'ai perdu beaucoup de farm au top. C'était pas ouf. Donc là, je vais partir sur l'hydro titanesque, du coup. Comme vous me le conseillez. Merde. Ouais, c'est pas ouf.
Là, je suis à 1-1. C'est pas ouf quand même. Hein. Lotus qui était en train de retourner au top. Mid lane, c'est quand même assez chaud. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup de PV. Nice. Bon, alors lui, il est archi mort. Oh, dommage. Ouais, c'est bon, il devrait mourir. Mec, mais c'est quand qu'il meurt? Ah bon, quand même. Nice, good job ça. Ça, c'est bien joué l'équipe. Ah, par contre, ça, c'est moins bien joué ça. Ok, je commence à push assez bien là. Donc là, il faut qu'on arrive à mettre une bonne pression sur la lane pour empêcher le Lotus de décaler. Car là, il a pu décaler tout à l'heure avec justement... je sais pas si ça te fait pour décaler, mais bref, en tout cas, il a décalé et il a été plus vite que moi. Je n'ai pas pu l'aider. Donc allons-y, pushons. Et si on prend la tour, par contre, là-bas, le Graves, il y a l'info sur nous. Ouais. Je pourrais pas prendre la tour maintenant, je pense. Ça me semble assez délicat. Hein. Le Graves est là-bas. Je vais au moins mettre la tour mid-life, donc ce qui est pas mal. Par contre, recule-toi direct. Oh, ils ont voulu faire des trucs là. Oh, c'était pas bon. Oh, il m'a brain de ouf. Il m'a brain de ouf. Bon, ça va. Je m'en sors. Heureusement pour moi, je m'en sors. Par contre, notre Lucian est mort. Ouais, le Graves, c'est trop mal. Hein. Je sais pas si c'est Graves ou c'est Corki qui fait trop mal là dans leur équipe, mais il y en a un qui fait trop mal, tu vois, et c'est chiant. Heureusement, la Diane a full push. Ça va, on a réussi à le brain. Il a plus l'ultimate, du coup, c'est bien. C'est chiant, il est trop tanky. Regardez un peu l'AMR qu'il a, ce con. J'ai beau tenter de faire des trucs, je peux pas. Ouais, c'est des bons trades en tout cas. C'est ça qui est cool. Et je pense pas qu'il puisse me dive non plus. Quoique. Ok, c'est bon. Je vais pouvoir back là. Mais il met une bonne pression sur la lane. Et c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en gros, Nautilus face à Akali, c'est quand même un bon champion. Car il peut justement la défoncer. Et c'est un problème. Ouais, je vais pas rester non plus si longtemps que ça, tu sais. Je vais peut-être me commencer à me tirer, moi. Peut-être commencer à me tirer là, le Nautilus, il commence à faire mal, hein. Car là, si je reprends d'autres répliques... Ça peut commencer à bien me défoncer, hein. Ouais, je vais partir sur ça. Beaucoup plus de PV, beaucoup plus de tankiness. Je vais TP instant. Et là, je peux l'avoir, là, je peux l'avoir. C'est bien ce qui me semblait. Donc, no flash, Nautilus. No flash, Naut. C'est parfait. Et en gros, il est resté trop longtemps, tu vois. Et j'ai pu le punir là-dessus. Donc j'ai pas mal de PV supplémentaires en plus de ça, donc c'est parfait. Tu vois, on n'a pas perdu, tu vois, les bases d'Akali, on sait quand on peut rattraper un mec. Ça, c'est ok. Le seul problème, c'est que maintenant, il faut la jouer de manière totalement différente d'avant. Et c'est assez bizarre. Donc c'est bien. Il va falloir qu'on décale le bot ensuite. J'aimerais aider la bot lane. Allez. Partons là-dessus et décalons. Ok, elle est mortelle. Enfin, il est mort lui. Le Graves est level 9, mine de rien. Oh là là, il va faire mal, hein. Il a sa dague dentelée, il a son enchantement guerrier, il a déjà ses bottes de célérité. Il va être casse-couille, il est level 10 maintenant. Mais. Donc prends les mercures le plus vite possible. En gros, il n'y a que Nautilus qui peut stun, tu vois. Le reste, c'est plus du ralentissement avec Janna, avec justement S qui peut mettre des spells et ralentir. Avec le Graves qui va mettre deux auto-attaques et essayer de ralentir, tu vois. Mais dans l'idée, c'est pas non plus des champions qui stun énormément, tu vois. Donc là, je prends un petit camp, tu vois, histoire de. Voilà, je vais prendre les deux petits. Attends, voilà, je vais prendre les deux petits, merci. Les midlane vont pouvoir prendre la tour, je pense. Parfait. Ink top, ok, le package qui pourrait arriver au top. Faut que je fasse attention, j'ai ma TP dans 2.30. Non, il est grave pas au top là. Il est au mid encore, très bien. Est-ce que je peux prendre la tour? Faut vraiment que j'arrive à prendre cette tour. Hein. Nautilus, je sais pas où il est depuis tout à l'heure. C'est bon, il est revenu top. Ouais, il a. Il a que de la RM, ce chien.
Oh nice. Oh il a raté sa spear. Il a raté sa spear, c'est bon, laisse tomber, laisse tomber. Si seulement il avait touché sa spear, on aurait go. Mais là, c'est juste pas possible. Hein. Donc en gros, tu vas prendre des trades très longs avec, avec Akali. Alors qu'avant, c'était vraiment le full burst et tu t'amusais à justement défoncer la cible que t'étais en train d'affronter. Mais là, c'est pas du tout pareil comme vous pouvez voir. Donc je vais quand même prendre la tour, donc c'est parfait. Là, c'est bien. C'est quoi la force d'Akali top tank? Je comprends pas ce nouveau stuff. Mais en gros, ça a beaucoup de mobilité. Ça peut blow les cibles très fragiles très vite. Car mine de rien, Akali dispose d'énormément de dégâts de zone. Et du coup, c'est assez intéressant. Tu vois, dans l'idée, c'est pas mal. Après, il y a mieux. Genre, mais tu vois, c'est plus drôle de jouer à un pick un peu exotique, tu vois. Plutôt que de jouer des picks voilà, que tout le monde joue, etc. Donc, moi, j'aime bien. Par contre, j'arrive au 1000. Hein. Est-ce que je peux vraiment mettre une pression? Est-ce que je peux vraiment mettre la pression? C'est ça la question. J'arrive dans le dos. Ok, il s'en sort. Mec, j'arrive dans le dos de lui, là. Je le mets devant. Par contre, à force, les E vont te faire mal. Hein. Ok, parfait. Je flash out instant. Donc, j'ai voulu prendre un trade un peu trop long face au Nosus. Même si c'est l'avantage du pick Akali. Je ne pense pas qu'il faille non plus prendre des trades de 3 années quand il y a toute l'équipe adverse qui arrive. Voilà. Genre, je préfère vous dire ça comme ça. Tu vois, c'est ma petite info. Tu vois, genre que je viens d'apprendre là maintenant. Donc je vais finir, tant qu'à faire, je vais finir ma cape solaire, hein. C'est pas grave si je finis mon truc après. Au moins je stack un peu de PV. Par contre on a perdu une T2, ça c'est embêtant. C'est plus vraiment exotique, ça sort souvent maintenant, c'est un peu comme Rebel Jungle. Oui voilà, on va dire que c'est plus trop exotique, mais dans l'idée tu vois c'est pas non plus commun dans la tête des gens, dans la tête de beaucoup de gens, c'est pas encore assez... C'est pas le genre de pick que tu sors tout le temps tu vois. Alors que c'est fort, hein, mais c'est pas non plus si fort que... que d'autres picks qui sont plus méta, tu vois, genre je pense par exemple à Queen dans la jungle qui elle est reste trop forte. Putain, par contre les dégâts qu'on prend sur le pot qu'on prend archi cher. J'ai plus de trinket pour en mettre. Oh là. Oh là ils sont pas fait chier hein. Il y a des petites portes qui m'ont déplacé là. Ils sont fait archi plaisir. Donc le Graze là je suis même pas sûr de pouvoir le tuer en V1, donc je vais préférer repartir. J'ai acheté ma cape solaire donc ça c'est bien. Pink top river. Non mais dis pas qu'ils sont en train de faire catch. Ok ça va, ils s'en sortent. Mec mais... Nice, nice, nice. Ça c'est bien joué. L'ultime du Graves qui n'a rien fait en plus. Parfait. Parfait ça. Bien joué la team, continuez. Mettez une pression. Ok c'est bien, je vais essayer de push maintenant. Est-ce que le Graves a son raid? Le Graves a pas son raid. Je fasse attention quand même. C'était obligatoire. Ouais ok, trinket ici. On va pouvoir maintenant push au mid. J'arrive au mid, j'arrive au mid. Ouais c'est chaud quand même. Il nous faut des creeps là. Il a pris deux autos, il est mort. What the fuck? C'est pas possible de prendre deux autos et de mourir. Attends, mais je push au top, il est en train de push au bot. Je suis un ouf, moi. Go, go. Donc là, il faut qu'on essaie de profiter un peu de notre composition, tu vois, genre de nos duelistes qui sont très forts. Essayer de push le plus possible. En plus de ça, je leur ai style leur raid. Donc du coup, je mets des dégâts supplémentaires sur la tour, car maintenant, c'est l'avantage de ce buff-ci. Par contre, là, il va falloir que je me tire soon. Je mets juste un E, là. Une auto. Allez, hop, et ça se tire. Hein. Là, ça repart très, très vite. Donc je vais pouvoir acheter maintenant mon hydro titanesque, donc je suis vraiment bien au niveau du farm etc. Et il faut que je back pour essayer d'aller les surprendre. Attends je suis ouf, je back maintenant, je back maintenant, j'arrive. Les gars, ça c'est à moi ça. Ok il est mort, il s'est pris le petit raid. Mec je suis grave bien dans ma game en vrai. Est-ce qu'ils peuvent l'avoir? Nice, 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 double auto-attaque. Ok, Q-Ling. Putain mec, il met tellement pas de dégâts avec son Q-Ling, pourquoi? Comment ça se fait? Attends. Hydre, PV, et c'est bon. Donc on est parti.
Shutdown de récupérer. On a pris du 4 pour 1 sur ce trade. Voilà les gars, c'est comme ça que ça se joue cette game. C'est comme ça qu'on joue la Akali top. Donc une seconde de CD et le E avec 0 de CDR. Oui c'est ça, c'est Akali. Genre le E ça a une seconde de CD avec 0 de CDR. C'est plutôt pas mal. Donc j'ai réussi à mettre 2 levels à Nautilus là, ce qui est assez bon. Maintenant j'arrive sur lui. Ok, c'est pas mal. La Diana, elle se fait défoncer. Bon, elle, ça fait tellement de dégâts cette merde. Il a l'exunker. Normal aussi. Au niveau du patch, comme vous pouvez voir, c'est plutôt pas mal. Par contre, là, Yen Ward, donc il faut que je fasse attention. Alors que je me tire assez vite, moi. Ok, bonne trinket, ça qui a été placé. On va retirer celle-ci. On fait un peu le beau quand même avec notre pick Akali. Hein. On essaye de s'amuser un peu. Donc là, je vais partir sur un gage de stack pour être un peu plus tanké, ce sera bon. Ouais, c'est pas mal. Beaucoup plus fort que ce que je pensais, ouais. Donc je vais essayer de prendre la tour, moi. Oh non, chiant. Oh non, chiant, j'ai fait le beau. J'en ai marre de grid toute ma vie. Toute ma vie, je grid. Toute ma vie, je me dis, j'ai pris un kill, je vais en faire plus. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, les dégâts, le petit Ezreal, tu vois, il a beau avoir du stuff, bah ça suffit pas, parce qu'en plus de ça, je tank et je lui fais mal, donc c'est très très bon. Oh, ils ont pas de chase. Ils ont pas de chase. Parfait, ils ont pas la vision, ça veut dire. C'est nickel. On a deux items tank et on défonce quand même. Mais après, Hydro Titanes, c'est un peu un mix entre les deux. C'est un item un peu genre AD, un peu tanky, tu vois. Let me split push bot. Donc j'ai déjà récupéré moi une T1. Top lane, j'ai pas réussi à prendre la tour. J'ai m'attrapé dans une 30. Ouais, c'est pas mal. Après, ce qu'il faut faire gaffe, c'est qu'ils nous Zol scale. Car ils ont quand même des champions qui en late game sont très forts avec Corki, avec Ezreal. C'est un peu la merde, donc oui le Q de Corki me révèle, c'est pour ça que je me suis tiré, c'est pour ça que j'ai tenté le trade kill en fait. Que je me suis pas tiré tu vois, sinon j'aurais tenté de courir vers le bas. Mais le truc c'est qu'ils ont aussi, en plus de ça, placé une Pink Ward. Donc bon, Pink Ward plus que spell de Corki, sachez que je suis révélé pendant environ 22 heures. Donc de toute façon la Pink Ward me révèle à l'infini, donc forcément c'est pas ouf. Ok j'arrive. Mec, l'ultimate est tellement bon. Non par contre là il a all-in avec Sanidali, c'était la merde. Oh non, il nous manque la Diana, il nous manque trop de gens, ils étaient en 3v5 et personne n'est mort. Hein. C'est pas mal, hein, honnêtement. C'est quand qu'il meurt, ces connards ? Il meurt jamais ! C'est une connerie, what the fuck ? Mais... je leur fais pas de dégâts ! Ah mais Malmortus aussi, ça fait que sur chaque auto-attaque, il régène trop. Et ça c'est chiant à gérer, ouais, c'est vrai que ça c'est chiant. Donc le Graze est encore... Le Graze a back. Le Graze a tenté de tuer la Diana. Mais il a plus d'exunker, c'est parfait. Nice. Oh non. Oh il a pas pu. Bon là il va me falloir un Sceptre Abyssal et un Rylai. Sceptre Abyssal pour mettre des dégâts magiques supplémentaires. Et Rylai pour ralentir. Parce que là pour l'instant, c'est assez dommage ce qui vient de se passer. Il a pas réussi à prendre l'inhibiteur, il a pas réussi à tuer le Graze en 1v1. Mais c'était de la merde. On a voulu fight comme des connards. C'était pas ouf. Ah ouais, c'est vrai qu'on a rush un V4. Donc c'est pas spécialement malin. Mais de l'ARM me ferait pas de mal. Là. Peut-être tenter un Asher. Ça me semble chaud. Et pourtant, la Diana fait mal. Hein. Enfin, elle est censée faire mal, tu vois. Mais là, pas assez. Pour l'instant, en tout cas, pas assez. Et on va voir. Tu mets une ward derrière le Nashor, tu vois, pour qu'elle soit encore plus chiante à enlever. Et non, il faut qu'on recule. Grave, c'est carrément cheaté. Bah, Grave, c'est pas mal, ouais. C'est un bon champion. Et tu vois là, la ward qui est derrière, je suis pas sûr qu'ils aient la vision dessus. Mais ça, c'est ça, tu vois, la puissance. Nice. Non, laisse tomber, il est archi mort. Archi cher. Putain, on va faire là.
Non, je suis ralentir. Ça casse les couilles. Nice. Ok, ultimate qui a été utilisé pour disengage. Non, faut pas que je prenne le Q-spell. Mets-toi devant. Mets-toi devant, putain. On a archi lose. On a archi lose. Non, 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 non. Prends l'ultimate, il est mort. Il est mort. Oh putain, on a perdu. On a perdu. GG well played. Ils ont été meilleurs que nous. On n'a pas pu leur rentrer dedans. Le Tulus qui a mis full, full dégâts. Et on va encore perdre notre BO à 1-1. On va dire que c'est pas la première fois, tu vois. Genre, c'est assez souvent le cas. Donc, je pense que Raven Top, ça peut se faire en plus. La Raven avec Hydrotinesse, ça peut être joué, tu vois. Bon, je pense pas que ce soit ouf. Oh, il a défoncé. What the fuck? Comment il a tué comme ça? Mec, mais attends, mais il y a moyen de défendre là. Il y a moyen de défendre, les gars. Mec, mais il est en train de faire le taf de ouf. Quadra kill, Penta. Go for le Penta kill. Penta kill. Oh, non, non, par contre, t'es mort là si tu vas. Non, t'es mort. Oh, exhaust. Non, dommage. Dommage. Go Nashor. Fast. Mec, il a tellement porté. Il a tellement porté, le frère. Mec, avec Sajana, il était chaud. 6-1 ou 6-4, j'avoue que j'ai pas réussi à faire grand chose. Hein. J'étais vraiment à 6-1, j'étais bien. Et je suis mort 3 fois de suite sans rien pouvoir faire. Pas spécialement ouf. Il faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille fast. Par contre, au niveau de l'énergie, ouais, c'est vrai que c'est pas la meilleure des choses, quoi. C'est mon nice. On a pris le Nashor, c'est parfait. Même si on a perdu ça, c'est nickel. Donc allons-y. Le problème, c'est que là, il me faut de la MR. Donc je vais prendre un peu de MR. Je vais partir sur un petit set ravissal. Ils ont bien l'avantage quand même, hein. Mine de rien. Ils sont vraiment bien. Ok. Merde. J'essaie de surprendre dans le dos. Est-ce que je peux faire un truc là? Nice. Lucien qui a pris un triple kill sur ce move-ci. Moi j'ai go sur le Ezreal, c'est très très bon. J'ai TP dans le back, donc essayer de flank un peu dans leur dos. Ça s'est plutôt bien passé. Tu vois là, on commence à faire des trucs, tu vois. On commence à être bien, les gars. Ils ont voulu faire les bois à fight sans leur Graves. Bon, j'ai envie de dire que leur Graves, c'est un peu leur élément fort hein, dans cette équipe. Donc forcément, il faut qu'on y aille. Donc on est devant au niveau des kills, mais on n'est pas du tout devant au niveau des objectifs. Donc c'est un petit peu la merde. Et le Graves qui fait trop mal. Donc ça, c'est un problème. Je vais trouver le Graves. Mec, c'est chaud quand même, frère. Voilà, on a le buff Nashor. Est-ce qu'on peut prendre une tour? Reculons. On a pris une T2. C'est parfait. Il manque combien de gold là pour acheter un abyssal, un délire du genre là? Je peux pas les gold. Hein. Je mets des wards un peu partout autour. Notre inhibiteur. À respawn, donc ça c'est parfait. Il manque 300. On peut prendre l'inhibiteur. Ouais, ils ont pris ça. KR. Genre le mec et tout, ouais, je suis coréen, ouais. Ouais, je suis KR. Donc qu'est-ce qu'on peut défendre là? Le problème c'est qu'en 5v5, je suis même pas sûr qu'on gagne en fait. Et ça c'est un problème. C'est un énorme problème. Level 14 ce con. Hein. Donc, il commence à nous respecter là. Ok, small, engage. Par contre là je vois plus rien. Hein. Oh, j'essaie de mettre une pression, j'ai pas réussi à les avoir. Non, faut que la Diane la recule. Lotus met une pression de ouf. Ah, c'est chiant. Lotus met une pression trop ouf là. Non. Ok, nice, ils ont réussi à tuer le support. Oh, il a réussi à tellement les bloquer. Nice. Lucien, c'est ton moment. Frère, Pentakill. Non.
non. Dommage, mais 5 pour 3. Bien joué ce fight, bien joué. Mec, ce fight est ouf. Ce fight était grave chaud. Moi, j'ai voulu go sur les carrés derrière, mais j'étais trop loin. Et là, il a failli avoir un autre pentash. Il a fait un quadra. La Diana tout à l'heure a fait un quadra. Cette game est ouf. Cette game est ouf. On est à 1-1 dans notre BO. Les gars, n'oubliez pas que c'est la dernière game de ce BO. Le Shen qui a failli faire un penta. Faut jamais que tu engages sans ta fumée. Ouais, j'ai vu. En gros, là, j'ai surestimé mon pic. En gros, j'essaie de le jouer de manière un peu tank. Go in engage. Mais le problème, c'est que c'est assez dur à faire. Donc, deux quadras quand même sur cette game. Hein. Là, c'est bon. Reculez. Donc là, il va me falloir un petit Riley et ce sera bon. Après, le problème, c'est que là, ma fume n'aurait pas servi non plus à grand chose. Étant donné que j'ai pu faire ça. Group bot. What should I get? Il a son cimetière Mercure, il a son lanceur fantôme. Est-ce qu'il a besoin de plus de tankiness? Est-ce qu'il a besoin de plus de dégâts? C'est ça aussi la question. Ouais, si la Diana était plus incroyable que toi, ils auraient un choix difficile à faire. Essayez de vous accorder ensemble. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est difficile en fait. Moi, j'ai plus de range qu'elle. Et elle, lorsqu'elle fait son R, faut qu'elle ait touché son A avant. Et c'est pas si simple que ça. Le Nexus, il a beau être le que level 15, il tank trop, tu vois. C'est abusé, tu vois, la tankiness qu'il a. Par contre, là, il y en a 3 sur la mini-map que je vois. Si jamais le Nexus push un peu, il y a peut-être moyen d'aller chercher. Il push pas. Ok, dommage. Ok, c'est pas mal. Ils sont 3 sur la mini-map, on en voit encore 3. Enfin, non, maintenant, on en voit plus que 2. Faut que je fasse attention quand même. J'ai Nida derrière moi. Faut vraiment aller chercher là. On est split. On l'a mis 0 dégâts. C'est tellement une connerie ça. Nautilus de merde putain. Non. Ah, ça, il a flash out, tu as raison. Hein. Car là s'il flash out pas c'est chaud. Graves il push trop vite, c'est insane. Là faut que le gardien continue de push comme ça. De toute façon au top ça va push. Don't force. Wait, CS, top. Forcez rien. Reculez. Attendez le grip push au top. Par contre là il y a le paquet. Il faut qu'on fasse très attention. Est-ce qu'ils vont pouvoir les go? Faut qu'on aille l'aider. Est-ce qu'il y a son Zhonya? Oh nice, ça c'est bien joué. C'est archi loose si on lui va pas comme ça ensemble. On a pas le Lucian encore, on a besoin de Lucian. On n'a pas tout le monde, c'est mort. Quitte à aller sur leur support. Oh non, on n'a pas pu l'avoir. Bon culling. Bonne spear. Ils sont ralentis grâce à ma petite smoke screen. C'est pas mal. On arrive à tempo, au niveau de leur base, ils sont en train de se faire full push. C'est pas mal, honnêtement c'est pas mal. Putain, on n'a pas perdu sur ce fight hein. On n'a pas perdu sur ce fight alors qu'on aurait largement pu lose sur ce fight. C'est pas mal. Donc attends un peu mec. Tempo frère. Faut que j'arrive à TP dans le dos. Il n'y a pas de round, c'est pas grave, je TP dans le creep. Ils sont où? Fuck, la Nidalee est pas restée. La Nidalee a pas voulu me aider, ça casse les couilles. Non, tirez-vous. Mais arrêtez. Attendez-moi, s'il vous plaît. Si seulement la Nidalee était venue avec moi, il y aurait peut-être plus moyen de faire un truc, mais là, c'est quand même assez chaud. Dommage. Oh, ça touche. Il a plus de gage de strike, lui. Non, il va plus. Oh non, ils sont tellement morts. Ils sont terminés de ouf. On n'a pas le Lucian. Non, Diana. Diana, elle a archi choke. Nice. Allez, on y va, les gars. On y va, c'est le push final. Tu prends le kill sur ton killing. Non, on push la base. Est-ce qu'on peut push leur base? C'est le moment. Il nous faut les creeps. Bot. Ok, go bot. Nice boys! Putain, c'est le game! C'est tellement nimp!
Let's go jump. Prenez une ligne, prenez une ligne. Ok, courez. Run, traite pas. Ah, ils font peur, putain. Arrêtez, c'est chaud. C'est chaud, les frères. Putain de merde. Cette game, elle est trop cool. C'est des impressions de ouf. C'est à chaque fois que tu dis, c'est mort, j'ai perdu. Alors qu'en vrai, non. What the fuck. J'ai mis tellement de dégâts. Sorry, je voulais pas prendre le truc. Par contre, ils ont l'inhibiteur du top qui revient. Get Vision Around Nashor. Il me faut un élixir par contre. Je vais prendre un petit élixir de sorcellerie. On y va, allez, allons-y. Ouh. Dernière game de BO, les gars, cette game, c'est la pression de ouf. RB en sueur, mais tellement. D3 is your house, man. Non, c'est pas fini. C'est archi win même. Si seulement j'arrive à sauter sur ce petit Ezreal, c'est terminé. Par contre, j'ai 4000 PV, hein. J'ai 4000 PV. C'est beaucoup. Genre vraiment, vraiment beaucoup. Faut que j'arrive à y aller. J'essaie de push un peu au mid vite fait avant. Essayez de jouer le poke. Nice, j'espère qu'il touche. Au bot ça va push de toute façon. Au bot ça va push. Faut attendre. Faut tempo. Faut pas que la Diana se fasse catch. 1 minute 20 mon TP, putain. Mais lui il est trop tanky avec son gage de stack et sa malmorsus, ça lui suffit largement. Le petit Graves il est beaucoup trop tanky. Oh pas mal, bon dégâts. C'est bon, ça suffit. Disengage. Non, pourquoi on fait ça? Les gars non. Ok, tirez-vous, c'est chaud, on perd trop de vie là. On perd trop de vie pour rien. Ils ont pris le carapateur en plus donc c'est chiant. Au bot ils vont devoir push. On a Diana qui est en train de full push. Nice, elle a sa TP en plus. C'est nickel ça. Faut pas oublier qu'on a les doubles TP advantage et ça c'est bien. Si elle push au bot, si elle push assez vite, il y a moins de faire des trucs. Vas-y Gogo, on le fait fast. Il le laisse. C'est bon, ils ont pas le choix, ils sont obligés de le laisser. Le gars, qui veut y aller, mais il est trop loin. Il sait très bien qu'il est trop loin là. Il sait qu'il est late, ce connard. Tu sais que t'es late, mon ami. Et du coup, on y va, on a le Nashor. C'est bon, j'ai ma TP dans 20. Ça me coûte combien le Riley là? Putain, il manque 300. 300 gold, Riley. Attendez, laissez-moi mes 300 gold, s'il vous plaît. C'est bon, je back TP. Non, disengage, s'il vous plaît. Y'a pas un creep là? Non, ils ont le choke! Mec, je tank trop! Faut pas qu'on meure. Faut absolument pas qu'on meure. Non, et ma grave, je suis mort, putain! Au bot. Oh putain, mais la Diana, elle a choke! On a archi lose là! Le S défend, ok, le S défend, c'est pas mal. Ils sont combien à push? Ils sont 3 quand même à push, hein. Ah, c'est tellement lose! C'est lose, la Diana, elle a choke! Non, Diana! Pourquoi? Why Diana? Just wait for me. Non! Non, mourrez pas, s'il vous plaît! 10 secondes. Peut-être qu'ils vont pas finir. 8 secondes. 7, 6, 5. Ah, c'est bon, Diana est là, c'est bon. Diana est là, c'est parfait. Ok, parfait. Diana, ça y va! Mon pote! Yes, c'est pas fini! Diana, tu prends le kill! Là, c'est fini! Maintenant, c'est fini cette game, on y va, ça push! Je suis là dans 15 secondes. Putain! Cette game de ouf! Vas-y, faut que j'aille TP, faut que j'arrive à surprendre. Oh, ils sont restés trop longtemps, c'est parfait. Top is pushing, c'est mon top, ça push, mid ça push, c'est nickel. Ouh, la Diana elle a jeté la game plusieurs fois, mais à chaque fois elle sauve la game, à chaque fois je comprends pas. Genre c'est totalement pas logique. C'est insanement pas logique cette game. Chien, viens mid, tu fais quoi? Fucking animals! Elle jure, il meurt en 1v1, je lui insulte ses grands-parents, ses ancêtres, tous ses ancêtres en même temps. Nice wall. Non, on pourra pas push là.
On n'arrivera pas à push là vraiment. Alors qu'ils ont plus de tank, ils ont plus de front lane. Vas-y, go top, go top, go top, go top. Arrête, arrête, arrête. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils se font full poke. L'inhibiteur bot est respawn. Oh putain. On a le buff nasher, mec, on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Ah non! C'est pas gagné! C'est pas gagné du tout! Le si il va TP, il va nous flank. Il va nous enculer avec son TP flank. Et j'en prends. C'est pas grave, c'est moi qui prends, c'est ok. Courez! Courez à la base! J'en peux plus, putain. C'est tellement loose. C'est chaud. Là, il faut qu'on fasse gaffe quand même. Hein. Parce qu'en gros, j'ai beau faire mal, c'est pas suffisant là. On est arrivé à un stade où mes dégâts ne sont plus. Sont facilement tankables par les différents tanks de les différents carrés de cette équipe. Et ça va être un souci. Donc, j'ai quand même 4100 PV, donc c'est pas mal ça, mais est-ce que ce sera suffisant? Upgrade tes bottes en bleu. Voilà, en gros, mes bottes en bleu ne seraient pas très ouf. Parce que là, c'est le dernier fight. Donc il faut l'enchantement qui me donnera le plus de stats. Les stats les plus importantes. Donc en gros, la mobilité directe. Parce que la réduction sur les différents CC, c'est pas ouf là. Mais j'espère qu'il passe pas. On essaye de mettre des petites spires un peu partout. Ils prennent tellement cher. En gros, le truc, c'est qu'ils ont trop de poke. Et c'est trop dur de leur push leur poke là. Donc là, je suis vraiment full stuff. Ils vont leur prendre, ils vont prendre le Drake. De toute façon, on peut pas y faire grand chose. Dommage, ça joue pas grand chose. J'avoue que le Corki, il a fait du stuff, mon gars. Là, il fait trop mal. Il a pris un petit bâton du vide pour avoir de la peine magique maintenant. Allons défendre là. Non, non, non. Oh putain, mec. Il se fait grab là. C'est tellement loose. Mec, à chaque move qui se passe, t'as la pression parce que tu sais que chaque erreur peut te faire perdre la game. Donc forcément, t'as un peu peur. Nice. Ok, ultimate moyen. Je suis dans la zone par contre. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut go sur le Lotus, faut go sur le Lotus, tant qu'à faire. Faut réussir à leur shrew, leur shred leur bot lane. Oh non, c'est loose. Nice, good job. Reculez, reculez, reculez. Ah, oh, il est dans la zone, il est dans la zone, il l'avait pas vu. Ça va mettre un bon killing quand même. Triple kill du Graves. Oh, c'est chiant. Le truc, c'est qu'ils sont low là. Et j'ai ma TP de up. Let me back TP. Nice. Pas mal. Par contre, là, c'est peut-être le grid. Peut-être le grid, ça. Oh non. Oh non. Il va la tomber. Il va la tomber trop vite. Non, il a tombé trop vite. Putain. Faut que j'arrive à tuer le Graves. Faut que j'arrive à tuer le Graves. Non! Il va me dash in! Je suis mort! Non! C'est perdu! C'est perdu cette game! Fuck! Fuck cette game de merde! Le Graves il a fait trop le taf! Le Graves a été trop trop bon! La game était cool quand même! Honnêtement, il y avait de la pression du début à la fin! On a joué notre pick à Kali top! Mais on n'a pas réussi à aller chercher le Graves à la fin et c'est assez dommage! Du coup, défaite! Encore une fois, une perte de défaite à 1-1! Mais honnêtement, la game était cool donc ça va! Tu vois, c'est pas si grave que ça! On remontera en BO, il n'y a pas du tout de soucis! Mais putain de merde quoi, cette game, pfff. J'ai pas été ouf, honnêtement j'ai pas pu faire tant de dégâts que ça, j'ai fait genre voilà un peu plus de dégâts que la Indali. Au niveau des dégâts tankés par contre j'étais chaud, j'ai vraiment tanké énormément de dégâts. Mais c'est vrai qu'au niveau des dégâts du sustain, ça manque peut-être de quelque chose et j'ai pas spécialement l'habitude de jouer ce Pixie. Mais c'est un pick que j'adore et que je vous sortirai très certainement. Donc voilà, on reste des 3. Mais on remontera dans les prochains jours, hein. Y a pas du tout de soucis. Merci à vous tous en tout cas d'avoir regardé cette game, c'était une game sous pression. On se retrouve juste après pour l'art du boulot sage en compagnie d'Alderiat jusqu'à 20h. Et ensuite de 20h à 23h, je ferai ma perso pour vous stream le training New eSport. Donc voilà, des bisous, courte page de pub. Pour tout ce qui était sur YouTube, j'espère que ça vous a plu car c'était quand même une game assez cool. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, d'abonnements, etc. Comme d'habitude, et on se retrouve juste après. À tout de suite.